Salut YouTube, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de grooming, ça ne change pas sur ma chaîne, on veut rajeunir et surtout moins. Hein. Allez bref, je te laisse un clap pro, je te reprends. Donc les mecs, aujourd'hui on va parler d'une autre marque de grooming parce que vous avez remarqué que je vous parle souvent de la marque The Ordinary. Ce qui est très bien parce que c'est la marque que j'utilise majoritairement. Et sinon, on m'a demandé aussi de parler d'autres marques parce que sinon, il y a longtemps, je parlais aussi de Horace. Et donc, d'autres marques, tout simplement. Donc, la marque que je vais vous parler aujourd'hui, ça va être La Roche-Posay. Posay ! Pourquoi ? Tout simplement parce que je l'utilise aussi. Bref. Avant de commencer la vidéo, on va dire la bienvenue aux deux derniers abonnés. Comme d'habitude, mon petit rituel, les deux noms juste ici. Bienvenue à vous. Et ensuite, mon petit récap pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette vidéo et qui se demanderaient c'est quoi le délire, le mec qui parle de grooming, de fashion. On voit, il y a du high-tech, il y a des des tutos, etc. Ben, franchement, il n'y a pas de ligne éditoriale, comme on dit, dans ma chaîne. C'est vraiment juste mon lifestyle. Je partage tout ce que j'aime, tout ce que je teste, tout ce que j'achète, tout simplement. Donc si tu te retrouves dans l'esprit de cette chaîne, abonne-toi et like cette vidéo. Et je terminerai par une dernière chose, les mecs, j'ai vu qu'il y avait 75% des personnes qui regardent ces vidéos qui ne sont pas abonnées à cette chaîne. Franchement, les mecs, vous attendez quoi, là? Arrêtez de faire les crevards, hein, c'est gratuit, hein, je le dis, hein, juste comme ça, au cas où, c'est gratuit de s'abonner. Donc abonnez-vous, hein, je vous donne que des bons plans, que ce soit sur AliExpress, tout et tout et tout, gratuitement les mecs, allez-y quoi. Et aussi dans cette vidéo, vu que je vais vous parler de La Roche-Posay, c'est aussi pour parler d'un truc, c'est de mes liens, les liens affiliés qui sont dans la barre d'information de mes vidéos. Je m'en cache pas, tout simplement, c'est des liens affiliés. Donc ces liens-là, que ce soit Amazon ou bien La Roche-Posay ou bien The Ordinary, ben c'est des liens qui vous emmènent automatiquement sur le produit. C'est des liens qui vont me rémunérer. Calmaté, hein. Je vais pas me payer une Merco demain grâce à ça. Mais tout simplement, ça me permet de gagner un peu d'argent par rapport au contenu que je vous apporte sur YouTube. Parce que c'est pas avec les 2000 vues que j'ai sur mes vidéos quotidiennement que je vais me faire de la YouTube monnaie. Ensuite, j'ai envie de dire, c'est un échange de bons procédés. Moi, je fais du contenu qualitatif. C'est comme ça que ça se dit. Je fais du bon contenu. Et du coup, vous avez de l'info sur des produits que peut-être vous aviez envie de vous acheter. Et du coup, si vous avez, à la suite de cette vidéo, envie de vous les acheter, c'est quand même un minimum de passer par mon lien, donner de la force, quoi, les mecs. Non? Oui, non? Dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai trois produits qui sont de La Roche-Posay. J'ai déjà dit, on va commencer d'abord avec le nettoyant visage. Parce que comme tu vois dans toutes mes vidéos, je te parle de routine, etc. Moi, j'utilise pas le même nettoyant visage le matin et le soir. Ça, tu as pu voir dans ma dernière vidéo. Le soir, j'utilise le nettoyant visage de chez The Ordinary. C'est celui-là avec la squalane, c'est celui-là qui est vraiment huileux, et je l'utilise le soir parce que ça va vraiment retirer tout ce qui va se passer la journée, que ça soit ma peau qui fait de l'excès de sébum, que ça soit la pollution, la crasse que tu peux croiser, etc. Le fait que tu passes ta main non-stop sur ton visage. Donc, c'est le nettoyant que j'utilise le soir. Donc, ce produit-là, comme tu peux voir en plus, il est vraiment bien entamé parce qu'il y a moi et ma copine qui l'utilisons. Alors, j'utilise le matin pour me nettoyer le visage. C'est écrit dessus, Lipicar Surgras, crème lavante, anti-dessèchement. Donc, c'est vraiment un nettoyant visage qui va être nickel pour les personnes qui ont une peau sensible, sèche. Franchement, c'est propre. Tu sens vraiment ta peau qui est clean et tu as une sensation d'hydratation aussi, tu vois. C'est vraiment nickel. Personnellement, je trouve que c'est vraiment nickel. Et de toute façon, honnêtement, La Roche-Posay, j'ai pas besoin de faire l'étalage de cette marque. La plupart des gens qui s'intéressent à tout ce qui est grooming, produits cosmétiques, etc., savent que ça reste une marque, voilà, qualité, quoi. Donc voilà, premier produit que je voulais te présenter de La Roche-Posay, c'est nettoyant visage. Voilà, ça c'est fait. On passe maintenant sur le deuxième produit. Celui-là, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est ça. La crème SPF 50+, Antelios, elle s'appelle. Donc, je te l'ai déjà dit, franchement, les mecs, pensez à utiliser ça.
En hiver, je sais que j'utilise une crème de jour et ensuite je me mets ça. Mais en été, quand il fait chaud, là il va commencer à faire chaud, j'utilise que ça. Parce que cette crème, elle sert aussi comme crème de jour, tu vois, parce qu'elle est hydratante. Mais en plus de ça, elle est protectrice par rapport au soleil. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, les mecs, c'est pas parce qu'on est renois ou métis qu'il ne faut pas se protéger la peau. Il n'y a pas seulement les Asiatiques ou bien les Européens qui se protègent la peau. Le soleil, c'est vraiment le premier critère de vieillissement de ta peau. Faut que tu le saches, tout simplement. Et bon, après, il y a la génétique aussi. Hein. on y revient toujours à ça. Donc, vraiment, ce produit, il est vraiment nickel. Et en plus, sur le site, j'ai vu qu'il y avait un truc d'un délire dans le genre. Si t'en achètes un, le deuxième est à 50%. Voilà. C'est toujours ça de prix hein, quand on ne peut pas avoir de code promo. Et sinon, aussi, il y a un truc, c'est que tu as 10% sur ta première commande sur le site. Ça, ça vient pas de moi. C'est sur le site, hein, je le dis juste. On passe maintenant sur le dernier produit, le troisième, qui est une crème pour le corps. Et ça, c'est bien parce que on me demande souvent, c'est quoi ta crème pour le corps que tu utilises? Souvent, c'est des frères renois qui me le demandent. Hein, parce que je sais que la crème pour le corps, c'est vraiment un truc que les renois, nous, on utilise de fou. Ça, je l'ai remarqué depuis très longtemps. Moi, quand j'étais petit, ma mère, elle me tannait pour mettre de la crème pour pas avoir une peau farineuse, on va dire, tu vois, desséchée. Et du coup, voilà, j'ai toujours pris l'habitude de mettre de la crème pour le corps. Et donc, la crème que je prends en ce moment, c'est celle-là de chez La Rose Posée. D'ailleurs, il n'y en a plus beaucoup. On va voir pour voir l'odeur. Ouais, il n'y en a plus trop. Ouais, c'est un bon odeur. Je vais voir si elles sont la même odeur que... Non, ils n'ont pas la même odeur, le nettoyant visage et la crème pour le corps. Et donc, cette crème, franchement, elle est vraiment nickel. Du coup, c'est écrit lait relipidant corps anti-dessèchement 48 heures. Franchement, elle nourrit, elle est vraiment nickel, sérieusement. Et t'as pas une sensation qu'elle colle, qu'elle est trop épaisse. Toi, elle est juste bien. Franchement, elle est juste bien. Donc, c'est vraiment une crème que je vous conseille, les mecs. Après, quand je disais que oui, nous, les Noirs, on a l'habitude de s'hydrater le corps avec une crème pour le corps, je dis pas que les blancs ne le font pas, c'est juste que j'ai remarqué hein, avec tous mes potes blancs, ils sont moins au taquet sur ça, vu que quand eux, ils ont la peau sèche, ça ne se voit pas comme nous les renois. Un renois, quand il a la peau sèche, ça se voit direct. Il a la peau, toi, tout gris comme ça, là, tu vois, genre pas gris, mais genre on voit la peau farineuse, hein, tu vois le délire. Donc voilà pourquoi nous, on utilise beaucoup une crème pour le corps. Donc voilà les mecs, en tout cas, sur les produits que je voulais vous parler, de la marque Roche, La Roche Posée. Et sinon, il y a un dernier produit que je voulais vous dire parce qu'en fait, en allant sur le site, alors le produit, c'est Yalu B5, c'est un acide hyaluronique, comme je te parlais par rapport à The Ordinary, tu vois, l'acide hyaluronique, que c'était vraiment une très bonne routine à avoir parce qu'il faut vraiment penser, les mecs, à hydrater votre peau. C'est ça qui va faire que votre peau va aller mieux. C'est comme une plante, il faut qu'elle soit hydratée. Donc, je te disais dans ta routine de te laver le visage, de mettre de l'acide hyaluronique et de mettre une crème pour le visage. Et là, si possible, de mettre plutôt une crème SPF, lui qui va faire beau. Donc là, ils ont aussi un produit à l'acide hyaluronique avec de la vitamine B5. Donc, peut-être ça pourrait intéresser les personnes si, par exemple, tu allais sur le site et que du coup, tu allais acheter ces produits-là et que tu n'as pas envie d'aller encore sur un autre site acheter de l'acide hyaluronique. Tu vois un peu le délire. Donc voilà les mecs, tout ce que j'avais à dire sur la marque La Roche Posée, en tout cas des produits que je connais. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré ou en tout cas donné envie de prendre soin de vous, vraiment les mecs. Et sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas de passer par mes liens. Vraiment les mecs, déconnez pas, ça donne de la force. Et voilà, je vous dis à une autre vidéo, Grooming ou Fashion. Allez, peace les amis.